Vous êtes un petit peu procrastinateur professionnel sur les bords. Les gens autour de vous disent que vous êtes plutôt paresseux. C'est pas très agréable à entendre, hein, je le comprends. Et on n'a pas envie d'être taxé de paresseux. C'est pas forcément très flatteur, c'est pas vendeur, hein, clairement. En fait, peut-être que les choses se bousculent dans votre tête et que tout n'est pas bien organisé. C'est pas tant que vous êtes paresseux, c'est que vous faites peut-être une montagne de toutes petites choses à faire et vous avez du mal à mettre en place tout ça. Je suis ce qu'on appelle un coach de responsabilisation. Alors avec un peu d'humour, je vous dirais que je suis là pour vous taper sur les doigts ou vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour que vous puissiez mieux vous organiser, pour que vous puissiez apprendre comment travailler, pour que vous puissiez mettre en place de bonnes habitudes, une bonne routine de travail, une efficacité, une productivité. Mais je suis là aussi quand ça ne va pas, quand il y a des baisses de moral. Parce que vous allez en avoir, c'est évident. Dans la création d'entreprise, avant, pendant et après, il y a toujours des moments où il y a des bas. Je suis là aussi pour vous écouter. Je suis là aussi pour enlever les freins que vous vous mettez, les bâtons dans les roues que vous vous mettez, qui vous freinent dans votre avancement, dans votre développement. Je suis là à vos côtés pour vous donner des clés qui vous permettront d'être plus efficace, plus productif, avoir une réflexion plus intelligente concernant le contrôle de votre temps, le développement ou voire même la création de votre entreprise. Parce que vous ne devez pas rester seul. Parce que si vous restez seul, il y a 9 chances sur 10 que vous stoppiez tout. Quelquefois, la complexité nous bloque, vous empêche de réfléchir. Et le moyen qui semble le plus judicieux pour votre cerveau à ce moment-là, c'est de dire stop, on arrête tout, trop compliqué, on n'en voit pas le bout de la fin, on n'en voit pas la solution, on ne voit pas le chemin. On arrête. Pour vous éviter d'arrêter. Pas pour vous tenir compagnie, on est bien d'accord, je ne suis pas psy. Mais je suis là pour vous soutenir, pour vous faire avancer, pour que vous soyez enfin efficace, pour que vous puissiez enfin voir le chemin. Vous allez pouvoir apprendre la responsabilisation. Vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre temps. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et dans ce cas-là, adieu paresse. Vous avez un lien dans la description. Prenez rendez-vous, on en parle et on voit comment on peut s'organiser pour que vous puissiez enfin avancer efficacement.